Bonjour YouTube, comment ça va? N'oublie pas de t'abonner, toi là, qui a l'air un peu débile. Bienvenue, du coup on va faire la tier list des nouveaux agents. Comme t'es un peu débile et que t'es un peu nul sur Rainbow Six, pour toi qui joue encore à ce jeu un peu dead, du coup ce sera de S à A, B, C, D, E, F. Ok, ça s'appelle l'ordre alphabétique. Je le rappelle pour tous ceux qui n'ont pas leur brevet ou les joueurs de FIFA. Ladies and gentlemen, en avant, quels opérateurs pour bien débuter? Et mettez-vous à la place d'une personne qui débute le jeu. Souvenez-vous, n'oubliez pas, il va y avoir des jeunes qui vont débarquer sur le jeu. Il faut pas leur dire des trucs du genre « joue knock, enculé ». Il faut contrebalancer tous les highlights à 2 balles sur de la drill pourrie fait par des mecs avec des pépés de Cristiano Ronaldo et des animés. N'oubliez pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il va falloir un peu leur dire comme ça, quoi, ok? C'est parti. Donc, Ace, par exemple, en avant. Ok, Ace en A. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ce qu'il faut envoyer aux jeunes. Il faut leur dire de prendre Ace. Bien sûr, bien sûr. Alibi. Qu'est-ce qui l'empêche d'être S, alors? Faut savoir le jouer pour débuter. C'est quand même compliqué, tu vois. On peut pas le mettre en S. C'est pas la Rolls-Royce, tu vois. C'est pas le truc absolu. Faut quand même se mettre à la place du mec aussi. Faut pas non plus tout tirer de notre côté, tu vois, en disant « Mec, prends Ace, parce qu'en fait, on veut pas le prendre. » Du coup, Alibi, C. Haruni, pour un jeune qui vient de commencer. Réfléchissons. Le mec vient de débuter. C'est facile à mettre. Ça s'installe partout. Ça fait chier. Ça fait les trous de rota. Le passif est bon. Ça va terraformer un peu le truc. Donc, c'est pas mal quand même. Ça va l'obliger à faire des trucs. J'ai envie de la mettre en A, Haruni, presque, hein. Gros map knowledge aussi et de team play. Ben non, Haruni, t'as moins besoin de map knowledge pour Haruni que pour Castle. Il ne connaît pas le système de rota et de gadget au début, le nouveau. Et les gadgets, c'est une simplicité absolue. Il peut faire des trous et tout, c'est simple. Il va pas forcément faire les rotas, mais on va lui expliquer, tu vois. Ok, je vois ce que vous voulez dire, Ok, très bien. On avance, en avant. H, attention, hein. C'est moins no brain que ça l'était, H, je pense, non? Alors, elle a reperdu ses 3 trucs, c'est ça? Elle en a plus que 2 des charges. Oui, 2. Ouais, donc Zofia est toujours au-dessus, en fait, un peu, quand même. Hein. Voilà, c'est pas si... Et puis, ça s'utilise bien. Hein. Au final, hein, je vais pas la mettre en S, par principe. Mais j'ai presque envie de la mettre en A, au final, tu vois. D'un autre côté, j'ai pas aussi envie d'envoyer le signal que c'est du A, il faut prendre H, quoi. Je vais pas la mettre en C, je vais pas la mettre en D, mais j'ai envie de la mettre en A ou en B, en fait. On vous l'avez mis en A. Vas-y, let's go. Pourquoi pas? Je vois. Azami, très, très strong. Hein. C'est l'un des meilleurs opérateurs si ce n'est le meilleur opérateur de cette année. Hein. C'est plus fort que Thorn. C'est beaucoup plus utilisé à des niveaux compétitifs que Thunderbird, que Sans, que Solis, qu'elle va être utilisée. C'est l'opérateur le plus fort. Franchement, je ne sais pas, mais depuis un bon bout de temps, en tout cas, de ces 2 dernières années, je pense. Oza était très fort, hein. Oza est très fort. C'est pas facile à utiliser, en revanche. Est-ce que c'est utile quand tu commences le jeu? C'est ça, la question. Dur de bien poser ses gadgets pour un débutant. Ouais, c'est ça, le problème. Faut pas être con et bien connaître le jeu, donc bon, ça limite les joueurs. Ouais. Pour débuter, c'est pas simple, ouais. Ouais, restons dans la logique de débutant. Azami, C. Donc attention, ceux qui regarderont la vidéo, Azami, c'est pour débuter. C'est pas recommandé, mais c'est un opérateur très strong. Bandit. Pour débuter. Bandit, ça va en S pour débuter. Pourquoi? Quoi en S pour débuter? Arme de fou, très utile à la team, rapide. Ouais, c'est pas faux. Ok. Capitao pour commencer le jeu. Hein. C'est presque un B en finale, tu vois. C'est la base de la couverture quand le planteur plante, quoi. La gestion des flèches, je trouve que c'est chaud, non? Ça part tout droit, mec. Ah, je vais faire un B là-dessus. Il va aller là. Pour commencer, bien évidemment. Pour débutant. Castle. Ah, Castle. C'est un faux pote, hein, Castle. Hein. Castle, je le mets pas en S. Hein. L'UMP, c'est pas simple. Les trous de rota, c'est des shotguns. Et tu peux très, très vite, au final, créer des safe zones pour les attaquants, quoi. Parce que t'es un peu débilos. Castle, je le mets en A, tu vois. L'UMP, c'est pas l'arme la plus sexy du jeu non plus. Hein. Si Haruni en B, Castle en C. Ouais, ça peut pas être très bien pour commencer, Castle. C'est au moins comme Haruni, quoi. Sur les mêmes... à peu près les mêmes logiques. Faut faire attention, quand même. Ouais, non, ça peut pas être en S, les mecs. Vous dites n'importe quoi. Kavera. Ah bah voilà, vous avez mis D. Hein. Bravo, félicitations. On va passer au suivant. Clash, du coup. Hein. Clash, c'est parti. 3, 2, 1,
DC Clash. Voilà, c'est là que vous êtes débiles. C'est là que vous êtes débiles et c'est pour ça que vous êtes tous des Silver 4, les mecs. Ok, c'est quoi le problème de Clash? Vous êtes raciste. Ça, c'est parce qu'elle est noire. Ce serait un giga chad. Ce serait Giroud derrière le shield. Vous seriez tous là. Oh, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je le joue souvent. Il est performant. On l'entend pas souvent, mais il est efficace. Pour faire des kills, faut faire des 360. Imagine des nouveaux joueurs. Mais tu fais pas des kills avec un Clash. Tu fais chier tout le monde. C'est beaucoup plus facile de jouer Clash que de counter Clash. Ça peut pas être D, en tout cas. L'idée, c'est que ça peut pas être D. Ah, je vais la mettre avec le shield parce que c'est un truc à part et pour qu'il y ait une cohérence dans les shields, quoi, tu vois. Doc. Ouais, Doc, pour commencer, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est facile à utiliser. C'est très bien pour des personnes qui viennent de commencer le jeu, quoi. En plus, t'as pas de responsabilité. Si t'as pas envie de toxicité, tu prends Doc. Personne va te demander, hey, fais ci, fais ça. Et de là à le mettre en S quand même. Mais bon, ok. Je vois le truc. Echo, les amis. Echo, ça prend des infos. Déjà, ça a une caméra. Ce qui est quand même très bien. Il y a un shield. C'est facile à utiliser à Drunk. Et ça permet de deny le plantage de la bombe à l'ancienne. Pourquoi vous mettez B? Pourquoi? Faut savoir le jouer, Echo. Comment tu peux pas ne pas se voir jouer Echo? Faut savoir le placer, sinon c'est nul. Mais attends, mais... Frérot, t'arrives sur le jeu, t'es pas débile non plus. T'arrives sur le jeu, t'arrives, t'as des bombes, ok? T'es sur un bomb site, t'es en défense. Et les gens te disent, hey, renforce ça, machin, truc, toi tu peux renforcer et tout. Et tu mets un drone sur un A et un drone sur B, ça va, c'est pas dur. Echo prend des infos, arme silencieuse et un shield et tu cancelles la bombe. Mais ouais, bien sûr. Utiliser toutes les charges comme un toto. On va pas le mettre en S parce que bon, c'est un peu tricky. C'est pas simple de ce qu'on pourrait attendre. Mais il a quand même beaucoup de choses qui sont utiles à une équipe, même une équipe de débutants. Ça mérite un A, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Frost, elle a toujours un shield? Est-ce que ça joue les shields? Elle a une caméra blindée en... Eh, ça va être tous les opérateurs saison 1 qui vont terminer en S. C'est dingue quand même, hein. Caméra blindée, shield. Parce que le shield, si tu débutes le jeu, je suis pas sûr que ce soit... C'est la fausse bonne idée, non? Alors qu'une caméra blindée qui prend l'information, il est là. Déjà, rien que ça, d'avoir une idée générale de où sont les gens, c'est déjà pas mal, quoi. À bas niveau, tout le monde prend les frosts. Ouais, en plus, c'est des free kills. Quoique le combo shield plus frost, en plus... Ouais, franchement, l'arme est bonne. 1.5, oh, je sais pas, S ou A. À partir du moment où on a mis le doc en S, l'arme est moins bonne quand même, tu vois. Elle est incroyable. L'arme est pas ouf. Le shotgun, free, facile à jouer avec arme no recoil. Ça envoie des pépites tous les quarts d'heure quand même, hein. Et ta 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 ta. C'est ça la fréquence de tir quand même, hein. C'est chaud quand même, hein. L'UMP et ça, c'est pas ouf quand même, non? Ok. Vas-y, vous avez voté S tier. Vous répondrez dans les commentaires de cette vidéo qui terminera sur YouTube. Je vous fais confiance, bien évidemment, vous dans le futur, pour vous défendre et de dire pourquoi est-ce que vous avez voté là. Les 17 personnes qui ont voté S tier, vous vous démerderez quand je me ferai insulter. Pourquoi t'as mis Frost en S tier? Franchement, moi, j'aurais été de moi, j'aurais mis plutôt en B, hein. Gridlock. Gridlock, ça doit être excellent en fait. Gridlock, c'est le S de Nomad. Le shorty pour jouer sur la verticalité. C'est l'agent le plus facile pour comme support. Je suis d'accord, ouais. C'est l'agent anti-backstab et de contrôle un peu de que les défenseurs ne bougent pas, le plus simple à utiliser. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas en S? Car les gens l'aiment pas. Et je pense que ça, c'est parce que les gens sont profondément grossophobes. Je la mets en S quand même. Du coup, Grimm. Grimm est en avant. Mais je suis con, hein. Grimm, il sert à rien, en fait. Il sert à rien, il n'existe pas. Je devrais créer un truc rien que pour lui. Mais qu'est-ce que je fais, moi, Grimm en avant, genre, tu sais, soumis au débat. Genre, ah bon? Vous pensez que ça peut être utile? Non, arrêtez, ok? Arrêtez. Sortez-vous ça de la tête. Il sert à rien, à n'importe quel niveau. Ibana. C'est pas facile. Ça peut pas être S, Ibana. Non, vous êtes des blaireaux. Si Ace est en A, Ibana doit partir en B. Ou en A. En partant du principe que Ace a été mis en A pour son rôle sur les murs et Ibana pour son rôle sur les trappes, quoi. A ou OK. Je la mets OK. IQ. IQ, plusieurs armes à disposition. Charge, possibilité de regarder ce qui se passe derrière une porte avant de la décaler au niveau de ses gadgets, possibilité de jouer sur la verticalité, de deny, c'est facile à utiliser, j'ai toujours une arme pendant que je suis en train d'utiliser mon gadget, je comprends facilement, IQ pour les débutants, franchement c'est bien non? H en A et Yana en C, c'est pour les débutants mon ami, S pour IQ, vas-y S pour IQ, ça passe, franchement c'est bien. C'est bien à utiliser, c'est bien. Jackal. Mais Rakal, c'est facilement utilisable. Tu comprends très facilement. Tu chopes un pied, ça te ping un mec. Ça te donne la position du bonhomme. Ça fait chier le bonhomme, ça le fait bouger. Plusieurs armes.
facile à utiliser, de la smoke importante. Ouais, ça part en S. Jaeger. Ah, est-ce qu'il y a besoin de demander Jaeger? Est-ce qu'il y a besoin de demander Jaeger? Jaeger en B1. Voilà. Oui, Jaeger B1. Jaeger, ça part en S. Hein. Jaeger, ça part en S. Jaeger. C'est celui qui part en instant. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Kaïd, en revanche. L'arme est pas compliquée. C'est 4. Mais en soi, quand t'es débutant, c'est quoi la différence entre Kaïd et Bandit? Kaïd, c'est encore plus facile que Bandit. Sauf l'arme. Et le fait qu'il soit lourd. Ça se joue là-dessus au final. Bah ça va partir en A je pense. Kaïd c'est pas mal. Kaïd c'est pas mal. Je suis d'accord avec vous. Capcan c'est comme Frost. Hein. On va pas se mentir. Tu le mets à des trucs, ça fait des kills tout seul. Capcan quand tu viens de débuter le jeu, ça doit être la même chose que les lumières bleues avec les moustiques et les papillons l'été quoi. Oh ils se les prennent comme des grosses merdes. Hein. But, pout, terminé. Derrière il a quoi? Tu baisses Frost. Ouais mais attends. Frost elle a un shotgun. Ok c'est pas rien. Elle a un super shorty. Elle a une caméra blindée. Capcan il a quoi? Il a un C4 tu vois. C4 quand tu commences le jeu, c'est pas simple quoi non plus. C'est puissant, oui. Le C4, ça reste un gadget actif. Alors qu'un shield, caméra, c'est un blindé, c'est un gadget passif. Ouais, ça part en S. Hein. Ça part en S. Mélusi, facile à utiliser. Ça aide l'équipe. Ça fait du bruit. Ça donne les positions. Impact. MP5, facile à utiliser. Qu'on retrouve chez Doc. Ça peut pas être C, ça peut pas être D. Déjà, Mélusi, ça peut pas être C, ça peut pas être D. S, A ou B. C'est ça la question. La vérité, c'est que c'est la même chose qu'un lésion, quoi. Ça peut pas être B au final, tu vois. C'est S ou A, Mélusi. Ça ralentit de ouf. C'est plus facile qu'un lésion. Ouais, Mélusi, elle part en S. Allez hop. Mira, c'est pas discutable. Je n'en parle pas. Ce n'est pas ouvert au débat. Je 49-3, ok. Vous êtes habitués, tant mieux. Tu peux pas S, ils vont mettre des miroirs n'importe où. Pff, Mira S. Tous les débutants devraient jouer Mira jusqu'à Gold. Jusqu'à Platinum 3, ils devraient jouer Mira. Dictature, bienvenue. Bienvenue en France. Jamais ils savent tenir l'arme. Mais ça a pas de recul, Mira. C'est juste que ça envoie beaucoup de pruneaux, les mecs. Y a pas de recul sur Mira. Solis avec Pulse, non? Ouais. Ça peut pas être A, ouais. Ça va être B ou C, quoi. C'est pas terrible pour commencer. Solis, vas-y, on va le mettre là. Rook. Rook, ça peut pas être C ou D. Rook, c'est facile à utiliser. C'est marrant. Les mecs se prennent un gilet. À l'heure actuelle, ils peuvent se revive. Ils vont trouver ça cool, tu vois. Si on a mis Doc en S, bon, c'est difficile de pas mettre Rook en S quand même, non? Gadget utile à tout le monde, arme incroyable, percu, par... Et en plus avec le P90, il a un P90 1.5. Tu poses ton truc, tu vas spawn kill, Rook, c'est 5v4 garantie si tu connais un minimum les maps. Ouais, c'est pas faux, ouais, à l'ancienne en fait, à l'ancienne. Ouais, je suis d'accord. Ok. Sledge. Attention, il a été nerfé. Mais pour un débutant, même nerfé. Le nerf, c'est qu'il est passé en 3-2, en 1 de vitesse. Avant c'était un 2-2, maintenant il est en 1 de vitesse, c'est un lourd. Ouais, parfait pour un débutant. Ok, je suis d'accord. Smoke. Attention les amis, regardez bien, à côté il y a Tachenka. Du coup, A pour Smoke. Les amis. Fun, trop fort, deux armes, SMG augmenté, shield, trou de rota, mieux que Smoke, le shotgun en moins, mais mieux que Smoke. Tu peux deny des gens pendant 1h30. Tout le monde devrait jouer ce Tachenka jusqu'à un niveau de gold de 3. C'est l'OP parfait. Pour débuter, Tachenka, c'est trop dur son gadget. Jaegerbond, ferme ta gueule, tu dis de la merde. Jaegerbond, t'es bourré. Thatcher, franchement, Thatcher. Est-ce qu'on va se prendre la tête avec Thatcher? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça? Termite, attention. Termite, attends. Est-ce qu'il faudrait pas mettre Ace en S et Termite en A pour avoir une Ibana en B? L'arme de Termite est mieux que celle de Ace. Depuis quand? Non. Jamais l'arme de Ace tue en 3 balles dans le pied. Ouais, mais les mecs, moi, je vise pas les yep. Donc peut-être que pour vous, c'est un délire de shooter les orteils. Quoi? En vrai, le prix est un bon argument pour le mettre en S avec Ace. Termite? Ouais, mais j'ai envie que les gens comprennent. Il faut qu'il y ait une certaine logique quand ils vont regarder le truc, au final, de se dire « Attends, il faut un Heartbreacher, tu vois ?» Et derrière, de se dire « Attends, ils conseillent plutôt Ace, ensuite plutôt Termite, et pourquoi pas terminer avec Ibana, tu vois ?» Ce que j'aime bien, c'est j'aime bien ma logique. Vous avez dit « Ah, ouais, vous avez raison, ok. » Et Ace, on va le mettre là. Ok, vous êtes pas content, mais c'est moi le patron de toute façon. Ouais, c'est comme ça. Thunderbird, c'est pas S. Alors là, S. Pourquoi S? A ne me choquerait pas. C'est bien pour les débutants, Thunderbird. Les gens vont se healer. Ils ont une station de healing quand même, tu vois. L'arme est facile à gérer. Du A-1 pour l'arme qui a le recul augmenté. Ouais, pas faux.
Ça va pas être en S, quoi, mais ça se claque en A, ouais. Ouais, je pense, pour du débutant, c'est bien, Thunderbird. Tu viens de prendre des dégâts, ça te laisse une seconde chance. Thunderbird, c'est très bien, ça enlève la frustration créée par le fait de se dire « Merde, putain, je vais encore mourir », tu vois. C'est hyper stressant, quoi, sur Rainbow Six, hein. Tu passes tellement de temps dead. Twitch. Bon, Twitch, c'est pas D, hein. Twitch, c'est pas C. Twitch, c'est un recoil compliqué, quand même, hein. C'est une arme... ça envoie du poney, quand même, hein. Ah, juste pour le recoil. B pour Twitch, ah ouais. L'arme est trop dure et les débutants drônent pas. Twitch, c'est une masterclass. Pas cher, meilleur gadget. Pas cher, c'est vrai que c'est important, ça. Les débutants drônent pas, donc gadget inutile. Twitch est plus compliqué que H. Il a pas tort. Twitch à part en B. Tu as raison. J'aime bien cette... Ok, je suis d'accord. Je vois. Vigile. Vigile, est-ce que ça va pas tomber dans la même catégorie que du Doka, du Lion, du Maverick, de la Yana? En mode, oui, c'est pas mal, mais frérot, joue pas ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, exactement. Vigile, c'est tu l'as quand t'as le permis. Quand t'as le license to kill, ok? Quand t'as le license to roam. Ah ouais, tu prends pas Vigile au début. Je suis d'accord avec ça. C'est ok. Puis en plus, c'est pas simple à utiliser. Faut connaître le timing, jouer le son et tout, machin, quoi. Wamai. Ouais, mais c'est Jäger en pas plus compliqué au final. Hein. Tu lances les trucs à la place de les poser. T'es plus libre sur les placements. T'as un hog, tu restes sur site. Ça t'évite de faire de la merde au moins. Ah, du coup, pour Wamai. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ying. Ying, c'est du S, non? À bas niveau, tu balances blablabla. Grosse arme, gadget ultra simple, smoke, t'as que des nades. Ouais, 51 balles, 2000 balles dans le chargeur, t'as vite fait des flashs, t'es allié à bas niveau. Ouais. Mais bon, tu leur dis attention, je vais Ying, tu vois. Ah, c'est pas en B, c'est S ou A. Mais je vais mettre A, par respect pour le fait que vous avez pas mal de A et de B. Zéro, c'est pas en C et c'est pas en D, ok? C'est simple à utiliser, zéro. Hein. Ouais, faudrait pas... orienter les gens vers le fait de prendre un zéro. Si les gens prenaient zéro, un peu, ils seraient un peu moins dans des logiques. C'est useless. Ah ouais, carrément, useless, quoi. Personne prend les cams quand ça meurt. C'est un écho en attaque. C'est comme une Valk en attaque. MDR, useless. Useless, mais Zakuro 18-12, là, qu'est-ce que tu racontes? Genre, zéro, vous allez le mettre dans la même catégorie que Grimm, quoi. Oui. Eh ben, allez vous faire... C'est super sympa pour comprendre le jeu, fort pour débuter. J'ouvre le tunnel sur Clubhouse seul avec zéro, c'est A. Son arme pue la merde par contre. Pue la merde? Mais il a un MP7 en plus, si t'aimes pas son arme. Jusqu'à plat 3, zéro devrait être obligé à jouer. Grave. MP7 avec un x1.5 en attaque, que demander de plus pour débuter? L'arme de bandit et l'autre arme sont excellentes, bande de cochons malades. Que des bottes dans ça, ça fait peur à voir. Vas-y, ça va en A, zéro les mecs. Ça va en A. Et enfin, Zofia. Bon, c'est comme H, quoi, mais c'est en B, en fait. C'est en dessous de H, quoi. Alors, c'est au-dessus de H pour un bon joueur, bien évidemment, pour plein de raisons. En vrai, c'est en dessous de H pour un mauvais joueur. Son arme a trop de recul. Ouais, je suis d'accord. Pour un noob, B est un bon joueur et un bon joueur A. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, bien sûr, c'est ce qu'on disait. C'est comme Solis, ça rien, c'est pas en C, machin. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Les amis, ok, on est pas mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la présentation des tier list 2023. Quels opérateurs pour bien débuter sur Rainbow Six? On a parlé de bien débuter. Ça veut dire, la plupart du temps, si vous êtes en ranked, si vous venez de commencer le jeu, ou si vous êtes en ranked dans des niveaux qui seraient inférieurs à aujourd'hui Gold, puisqu'il y a Emerald, alors, on vous conseille 16 opérateurs, d'accord? Et je pense que cette liste est vraiment pas mal. Alors, il peut y avoir des erreurs, tout n'est pas parfait, mais ça donne déjà une très bonne indication, je pense, quels opérateurs sont intéressants à prendre ou voire à totalement délaisser. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un like, et surtout, mettez un commentaire. Ça nous intéresse. Mettez un commentaire avec votre avis. Vos commentaires, tous vos commentaires nous intéressent énormément, ok? Surtout toi, XX, Dark Sasuke 44. Ok, c'est bon, coupé, c'est dans la boîte. Vas-y, je les lis jamais les commentaires, mais c'était pour YouTube.